Bam! Coucou YouTube et salut! Ouais! Oh là là, la musique. Cette musique, elle met bien dans le jeu, elle met bien dans l'ambiance. Elle me rend heureux. Alors que celle-là me donne envie de dormir tout de suite, donc on va appuyer sur A et ne plus jamais penser à cette musique. Franchement, je pourrais mettre cette musique avant de dormir. Salut YouTube! On est sur Mario Luigi 3. Je suis actuellement extrêmement fatigué, mais ça va, car je suis sous Monster. c'est pas un conseil de vie, attention. C'est pas un conseil de vie du tout. C'est un conseil. Non, c'est pas du tout. Pas du tout, très mauvais exemple. Mais je ne voulais pas rater notre rendez-vous d'aujourd'hui. Mario et Luigi à l'intérieur de Bowser. Et non pas Mario et Bowser à l'intérieur de Luigi. C'est un autre jeu qu'on ne fera certainement pas. Qui n'existe, je l'espère pas. Après voilà. Nous sommes actuellement... Regardez ce qu'on a fait la dernière fois. On lui a cassé la gueule. Ah ouais, on voit pas. Mais on a cassé la gueule à ce truc-là quand on était géant. Voilà. On lui a pété la gueule, et on rentre à l'intérieur. Finalement, Bowser rentre à l'intérieur de quelque chose. Donc Mario et Luigi rentrent à l'intérieur de Bowser, qui rentre à l'intérieur de cette tour. Peut-être que cette tour va rentrer à l'intérieur de quelqu'un, mais on souhaite vraiment à personne de prendre ça dans le cul. Voilà. Comme vous pouvez voir, sous mon snore, c'est terrible ce que je peux dire. Voilà. Je n'assume pas forcément chacune de ces paroles, mais... En fait, je vais oublier tout ce que je dis, ok? Ça vous va? On va oublier, on va tourner la roue, et ça va très bien se passer. Allez! Voilà, c'est fort, la roue! Calme-toi, cette roue est folle. Attention, c'est le 2, c'est le 9. C'est le 2, mesdames et messieurs. Je sais plus c'est quoi, j'ai oublié les idées des filles. Le seul que je connais, c'est le 1, c'est celui qu'on avait la dernière fois. C'est parti, mesdames et messieurs. Attendez, je vais y arriver, il faut que je trouve le bouton. C'est l'heure de... La carte des défis! À chaque début d'épisode, on s'impose un petit défi pour pimenter l'aventure. Et aujourd'hui, le défi sera tout simplement... Les Nulos! Ah non, c'est pas un bon jour. Pour nos héros, tout semble soudainement difficile. Leurs attaques sont bâclées et leurs attaques spé devront être réglées en facile. Les Nulos! Oh, le Nulos! Oh là là, on va se faire chier dessus. Terrifiant. Et bah, on va devoir être nul. On va devoir être nul, et ça m'emmerde. Oh là là. Ça m'emmerde. Il faut que je refasse peut-être mes badges en fonction de ça. Surtout que là, à mon avis, ça va être Mario et Luigi time. Hein. Là, je pense Bowser, il va pas avoir grand-chose à faire aujourd'hui. En tout cas, sur cet épisode-là. Donc, la dernière fois, Mario ne faisait rien, donc il avait un équipement de nulos. Il faut qu'on augmente leurs dégâts, là. J'ai pas un truc qui augmente l'attaque. Ah ouais. Ouais, il faut qu'ils augmentent l'attaque, hein, parce que... Étant donné qu'ils vont faire beaucoup moins de dégâts, autant qu'ils aient ça. Hein. Et Luigi, L-U-I-G-I. Ah, il a pas de truc qui augmente l'attaque. Il a la chaussure attaque déjà. Il a déjà ça. Allez, on lui laisse ça. Ceinture Aléa qui fait qu'une de ses attaques sont bien, ok. Et chaussures brûlantes. En vrai, chaussures brûlantes, c'est pas si mal. Non, chaussures brûlantes, c'est pas si mal. Comme ça, au moins, quand on fait des. Oh là là, ça va être terrible. Hein. Oh, ça va être bien chier ça. Oh, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En vrai, c'est pas le pire défi qu'on peut avoir, quand même. Bon, allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce tour, en fait? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Alors. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi je peux pas aller là? Oula, on va avoir un nouveau pouvoir, nous. Ah, on va avoir un nouveau pouvoir, ça j'aime bien. Ça dépend du pouvoir qu'on va avoir, mais... D'accord. On va avoir un nouveau pouvoir, c'est sûr et certain. À savoir quoi? C'est LTA. Tu sais que je vais changer de badge, je n'ai pas changé les badges. Oh, c'est le badge. Bah j'ai fait ce que je pouvais, quoi. C'est que ce truc. Et si tu veux, pourquoi il y a un bout, là? Ah oui. Ça y est. Bah, pourquoi ça marche pas? Ah, OMG, Bowser, c'est lire? Prends ton temps, mec, hein, prends ton temps, C'est quoi ce bouquin? Les pages sont blanches! Ah, d'accord. C'est refermé. OMG! Regardez à droite. Il y a des petites figurines debout et il y a le bout blanc et le bout noir. De Mario Galaxy, l'ennemi qui n'existe que dans un seul jeu. Qui ose troubler mon sommeil éternel?
Mais t'es qui toi, d'où tu sors? Mon nom est Ronflowski. Je suis le génial inventeur qui a construit cette tour. Ah, vous voyez que c'est une tour, vous voyez que Bowser a détruit une tour. C'est pas moi qui le dis, c'est Ronflowski. Voilà, j'ai pas dit de bêtises tout à l'heure. Qui êtes-vous? Quoi? Tu sais pas qui je suis? Je ne suis plus de ce monde. Oh! Merci beaucoup Epsilon pour les 2 mois de plaisir. C'est moins sexy que 3 ans, mais bon, bah c'est tout aussi sexy en réalité. Chaque abonnement compte, mesdames et messieurs. Je ne suis plus qu'une âme endormie dans mon livre. Mais si vous avez pu entrer dans cette tour, vous ne venez pas être n'importe qui. Ouais, je suis pas n'importe qui, je suis Bowser, le roi maléfique. Je vois. Et vous aussi, vous êtes fasciné par le mystère des bouts? Des bouts? Oui, des bouts. Et c'est le professeur catastrophe, en fait, ce mec. Quand on croit les voir, ils ont déjà disparu. Et quand on croit qu'ils ont disparu, ils reparaissent. Ils sont tels des mirages, ce sont des êtres insaisissables. Fasciné par l'étrange puissance des bouts, je les ai longuement étudiés ici. Et le résultat de mes recherches? C'est la machine photobouique, voilà! La machine photobouique? Mon ancien camp est éclairé par cette lumière, on peut voir à travers. Cette lumière émet les mêmes ondes transparentes que les bouts. Si ça vous intéresse, placez-vous sur la marque devant la machine. Bowser va devenir un bout. On peut voir l'intérieur de son ventre. Il va voir Mario et Luigi en 3D. Regardez, votre corps est devenu translucide! C'est quoi, un projecteur rien que pour moi? Alors n'est-ce pas fantastique? Vous vous dites que je suis un inventeur génial, n'est-ce pas? C'est la première fois que j'essaye ma machine sur un autre vivant. Ça a l'air de fonctionner, je suis heureux. J'ai donc replongé mon sommeil. Vous pouvez l'utiliser à votre guise. Super sympa ce mec. Ok, il est juste revenu d'entre les mains pour dire tiens, je te filme ma machine gros. Regardez, un changement s'est produit. Ça y est, on va pouvoir jouer. Dernière nouvelle, on s'en fout gros. Oh là là. J'en ai rien à f... TG le Toad. TG, laisse-nous tranquille. Ça aurait été drôle qu'il crame Mario Luigi à ce moment-là. C'est vrai qu'il aurait pu regarder son ventre et faire bon, c'est qui ces deux mecs là? Pourquoi les mecs, y a deux mecs moustachus dans mon cul? Oui. Le mec a quand même des blocs boue dans son corps, ça n'a aucun sens hein. Alors que les histoires de voyage dans le temps. Le mur derrière lequel la chenille s'est enfuie a disparu. Cet endroit se modifie lorsqu'il est éclairé de l'extérieur. On peut partir à sa poursuite. Allons-y. Il y a quand même besoin d'une machine à rayon X pour avancer ici. Heureusement qu'elle était là. Hein. Heureusement qu'elle était dans cette grosse tour qui a écrasé Bowser. Y a rien qui va. Y a rien qui va dans les explications. Il y a des deux entités bleues glissantes que les choses qu'on ne voit pas apparaissent à la lumière. Et qu'à l'inverse, les choses qu'on voit disparaissent à la lumière. D'accord. Pas sûr de tout comprendre, mec. Donc là, si Bowser s'en va, il y a des nouveaux blocs. Bravo. Bravo Mario, bravo Yoluigi's. Oh oh. Oh les ennuis. Oh des nouveaux ennemis, des nouveaux ennuis. C'est parti. Bon, on ne lit pas, on est des nullos. Donc qui dit nullos dit on doit rater nos attaques. Et ça me fait chier. Synapiu. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit aux excellents grosso modo. Hein. Pas bien. Voilà. Par exemple, ça, c'est pas un excellent. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est pour Luigi. Ok, c'est pour Mario. Ok, c'est pour Luigi. Hop. Heureusement, on n'est pas obligé d'être nul en esquive. Ce qui reste quand même le cas, hein. Mais voilà. Synapiu, pourquoi il s'appelle Synapiu? Je comprends pas. Synapiu, par rapport au synapse? Par rapport au poussin Piou? Y'a le poussin Piou dans Bowser? Attendez, j'ai essayé de faire le perfect nul. Ah, j'ai pas réussi. Par contre, ils ont de la vie. Oh oh. C'est pour tout le monde, là. Ah, j'ai pas vu. Luigi. Hop là. Voilà. Ok. Ok, faut rester les yeux
C'est Mario. Et ça, c'est Luigi. Bravo. C'est bon. Je suis pas encore non plus complètement défoncé. Ah, j'arrive pas à faire le mauvais perfect. J'essaye, hein, je vous jure, j'essaye. C'est trop dur. Ah, j'ai réussi! C'est ça, le mauvais perfect. Ok. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que j'aime cette musique? Oh là là, Luigi! Fais l'effort! Sinem, c'est les boules font piou piou. Ouais. Ouais. Sinapiou, c'est quand même. Ouais. Ouais, non, juste, ouais. J'ai pas mieux à dire. Ok, là, c'était vraiment, vraiment raté. Trop chiant de battre l'os. Si je... Oui non mais à partir de ce moment là moi faut que j'agisse. Putain. Je crois que je vais trop vite avec Luigi. Ok Luigi, il faut agir. On va faire une fleur de feu ratée. Je suis obligé d'être moins bon. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Ah ça, d'accord. Ça suffit. Bon, visiblement, quand il se dédouble, il lui donne la vie qu'il a actuellement. Donc ça, ça va. Ça va, je pensais qu'il avait full life, ça m'aurait tué. Comme quoi on apprend des termes techniques dans le jeu. Comme le terme Sinapiou, par exemple. Bowser. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Rien. Merci, Bobo. Oui, j'ai vu Altair, j'ai juste pas eu le temps de regarder encore précisément et de pouvoir te répondre, mais oui, j'ai vu. Alors. Hop. Donc à chaque fois, on doit... Voilà. C'est si long à chaque fois de devoir attendre que Bowser arrête ses conneries. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Super cacahuète. Bah merci. Hein. Merci pour cette super caca. Ok. Bonjour. Let's go. Okidoki. Nous sommes Coca-Cola. pas lui, pas encore. Mario, s'il te plaît. Un casque Boeing nul. Ce sera toujours mieux qu'un saut normal. Ok. Bah juste c'est toujours Mario qui joue. Toujours Mario qui a le droit de sauter. Ah oui c'est... Ah oui c'est vraiment un chien en fait. Il faut pas rater le dernier saut en fait. Oh non, pas encore. Ok. J'attends cette fois. Voilà. Un peu trop lente l'attaque encore. Hein. Tout est lent hein, dans le jeu. Merci. Je teste, on ne gagne pas plus d'XP en battant une tonne de Sinapiou dédoublé pendant le même combat. Ah. Dommage. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre dans la gueule? Allez, bah, cloneur. Bah, je m'arrête au milieu, allez. Hop, les. Hop. 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 Voilà. J'ai pas le droit de faire des excellents, donc je m'y cantonne. Je m'y ricantonne. Ils ont appris l'explode des fusivers. Ah, c'est dommage quand même d'avoir fait ça. Dire, ça fait jamais de mal de se faire plaisir niveau XP, quoi. Alors, elle est très sympa, cette attaque, mais 10 fois d'affilée... 10 fois l'affilée, on a compris quoi. Mais en même temps, on va pas demander à Nintendo de faire 14 attaques différentes à des ennemis quoi. Allez, ça dégage. Ok, j'ai quand même le droit. Ce qui est bien, c'est que même en faisant les attaques nulles, j'arrive quand même à avoir de quoi charger ma petite barre. Et ça, ça fait plaisir. Son mignon, c'est ennemi. Oui, après, son mimi. Du coup j'hésite là, j'ai pas envie d'aller dans ces tuyaux, j'ai peur. J'ai peur qu'ils me mettent dans la merde. D'ailleurs on va faire un truc, c'est qu'on va ouvrir la map. Hein. Bowser, on a rien contre toi mais...
Ou alors on peut faire la map. Alors. Oui. Et voilà. Pas te laisser dans la merde, Luigi. On va faire ça. J'essaie un truc. Ok. Ouais, ça marche bien. Ah, bravo. Bravo, Mario. Bravo, moi aussi. Je suis un peu dégoûté. On va se faire un petit... Ah, mais attendez, j'avais pas fait ça. Hop là, je dois passer en mode facile en plus. Ça, c'est chiant, ça. Ouais, ça casse les couilles. Hein. Personne m'a rien dit sur le chat ou alors j'ai pas vu. Hop, il est brûlé. Let's go, il est brûlé. Ça, c'est bien, ça. C'est-à-dire qu'il peut pas attaquer. Boui. Hop. Hop, allez. Bravo, patron. Ah, la fleur de feu. Ça donne envie encore, mais si je refais ça, il risque de ne plus être brûlé. Ah, ça, c'est le... Ça, c'est la vraie attaque nulle, ça. Oui. Merde. Ah, j'ai mal regardé, tiens. Non, je sais... Je vous dis, il se fait victimiser depuis tout à l'heure. Il prend toutes les attaques. Ah, bye le clo-clo. On y va. On y va et bien sûr, je ne fais pas tout. Oh yeah! Non. Mamma mia. C'est bon, ça va le faire. À chaque fois, je crois qu'il va se soigner et ça me terrifie. J'ai cru qu'il allait le refaire. Je pense pas qu'il peut refaire plus de copies qu'il y avait d'ennemis à l'original. Oui. Cette pub me fait penser... cette zone me fait penser à la pub japonaise pour le remake où Bowser voit les frères Mario. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y avait une pub où genre il y a un mec qui fait un scanner à Bowser, je crois. Effectivement. En fait, il se dédouble quand il a plus de PV, lui. Il se déloupe quand il n'y a plus rien dans le ventre. C'est vrai qu'il était marrant un peu. Oui, mais félicitations. Hein. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là? Ah ah. Herbe rafraîchissante. Bon, merci pour le pognon. Merci beaucoup. Il y a peut-être des trucs en rayon X, sinon. Rien à foutre. Oui. On est où là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh non. Il va encore falloir collecter une étoile là? Une vieille légende hémoglobinesque concernant ce grand panneau étoilé en bas dit que si une forte lumière le frappe lorsque ses parties sont allumées. Une plaque étoilée d'être à Big. Oh, ça a l'air bien ça encore. Je vais vous donner mon avis hémoglobinesque. Si vous trouvez une grande plaque faite de forme géométrique, poussez vers le haut devant la porte à gauche. Merci mec, ça n'a pas du tout brisé le quatrième mur, t'inquiète. Ok, bah on va aller là alors. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Eh, vous connaissez ces pièces, Bing? Malheureusement, même en affichant la mini-carte, vous ne pouvez pas savoir où elles se trouvent. Pour trouver les pièces d'attaque de cette zone, vous ne pourrez compter que sur votre instinct. Si vous les retrouvez toutes, vous obtiendrez une attaque frère assez puissante. Ah! Ok, là, ça joue. Ok, là, il y a match. Il y a une attaque frère à trouver ici, et ça m'intéresse. Ok, j'essaie de tricher, mais je peux pas. Bonjour. Rien ne se produit. Bah ouais, j'ai rien. Ok. Qu'est-ce que j'entends, là? Mais attends... Là, ils peuvent pas sauter, là. Et y a rien ici. D'accord, bah c'est top. En tout cas, j'ai bien choisi le bon tuyau, moi. J'ai choisi le bon tuyau, visiblement. Très fort. Va tourner en rond pendant quelques minutes. Ouais, bah c'est pas grave.
On est là pour ça. On adore tourner en rond. Tourner dans le vide, vide. Là, ça va être un endroit en mode il faut aller au bon endroit, au bon moment, avec le bon truc. Il va y avoir des énigmes. OMG. On a combien ? Une sur dix. Ok. Ok, on va dans le bleu. Boui. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire ? Putain, on peut toujours pas passer là, oh ! C'est bon, là, au bout d'un moment. Top. Et là, le combat, on voit rien, c'est trop bien. What the fuck ? C'est quoi cette piranha ? Putain, encore une nouvelle piranha. Il y a tellement des plantes piranha dans les Mario. Plante vénéna. Ok. Plante vénère. Très bien. Elle me terrifie. J'en ferai des cauchemars la nuit. Sympa, en tout cas. Tiens, petit coup de marteau. Pour Luigi. Bah, ça est Luigi ici en fait. Les poussins Piou détestent Luigi. Très bien. Continuons. Ah, petite carapace verte. Ok. Pas le droit au finisher. Bye bye. Pas le droit. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quoi? Et donc ? Putain, mais c'est pour qui cette attaque, what the fuck ? Ok. En vrai, l'idée est sympa. Mais la préparation est longue. C'est long, je trouve. Il est lent, soleil. Allez. Ok, Mario, Luigi. Il est où Bowser, en cette histoire ? C'est tellement énorme des combats où il y a Mario, Luigi et Bowser. Bon, ça arrive en vrai, hein, mais... c'est très rare. Sur le même écran, quoi, serait mieux. Qu'est-ce qu'on va leur foutre dans la gueule ? Luigi. Petite carapace verte encore ? Non, c'est chiant. On va leur casser la gueule un peu aussi, Napiou. Boui. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ok, une attaque classique. Putain, j'ai réussi à ne pas m'en prendre une seule. Ce qui est très rare dans ce genre de cas. Mais c'est qu'elle en a de la vie. La vie d'Alaoka. Il va être long ce combat, non? Qu'est-ce qu'on en pense Ok, Luigi, dis-moi que c'est la fleur de feu. Non, barrique cloneur, c'est bien aussi. Allez, on y va. On part en barrique clo-clo. J'ai appuyé. Je m'arrête là. Je dois être un nulot, ça, je respecte, hein. C'est relou, mais il faut. Attention, rouge. Vert. Ah, bien joué. Oh, oula, what the fuck ? Oh, ça fait mal. Ok, bah super, j'ai pris 42 dans la gueule. Tout le monde est heureux, surtout la plante pirate, là, visiblement. Allez, hein. Bah, faut mourir, hein, madame. Faut y penser. Non ! Oh là là, l'erreur. Heureusement que ça va pas tuer. Je voulais pas, hein. Je voulais vraiment pas. Je voulais rater, mais j'ai réussi. J'ai raté mon échec. Désolé à tous. C'est toléré. Mais non ! Barry Cloner encore, ok, ouais. Bah oui, merci. Tentative de triche, non, pas du tout. Bon, si je voulais tricher, je le ferais vraiment éperdument. Et à la fin du combat, je ferais « Oh non, j'ai oublié !» Oh les gars, c'est pas cool. La prochaine fois, je me fais toucher deux fois. Allez.
Mamma mia. Allez hop. Bon, eux, on pourrait les toucher au marteau. En fait, je rate bien mes attaques. Attention, est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est vert? Bien joué, Luigi Rocon. C'est son nom, hein. Il s'appelle Luigi Rocon. On va peindre à tout. Bon, bah, super. Ouah, elle donne beaucoup d'XP, la plante vénéna, là. J'aime cette XP. Qu'est-ce qu'on leur donne aux frères marteaux, là? De la vitesse? Non. Les PV en vrai. Ah non, pas les PV. Hein. Les PF. Ah, j'ai appuyé sur A, ça a rien fait. Voilà. Oh yeah! 51 PF, c'est bien. C'est pas mal. Ok, 51 PF pour Luigi aussi, c'est bien. Augmenter l'attaque de Luigi? Ok, il peut pas avoir beaucoup. C'est chier. La vitesse, il peut avoir 3. Moustache, il peut avoir 4. Ok, les PV. Voilà, un petit peu plus de PF pour Luigi. Luigi est silent. Ouais, bah ça a toujours été comme ça dans les Mario Luigi, je crois. Je crois qu'ils ont toujours des statistiques où ils sont bons et pas bons. Ah merde, on peut passer au travers. Ok. Bon, Bowser. Ah, parce que je suis pas con, je sais que Bowser va nous montrer la voie. Voilà. Ah mais pas du tout. Ah, mais c'est pire que tout, en fait. Bowser nous montre rien du tout. Putain, c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Je voulais pas faire ça. Bah quoi que. Ah mais par contre il va nous montrer les blocs, non, c'est ça? Oh c'est chiant de fou. Pas du tout. Il n'y a aucun bloc. Ah si, il y a un bloc en bas. Chaussure champi. Moi je pensais que c'était une case d'attaque. Je suis un peu dégoûté. Attends, reviens, reviens, reviens. Putain, Luigi, je casse les couilles, gros. Voilà. Ok, he's back. Oh là là, le pavé de Daikenzo. Tiens, bah merde. Mais j'espère que ça va aller. Hein. Oh là là. Oh, c'est si cher quand même quand on n'a pas la réduction, là. Ma petite fleur de feu, hein. Petite fleur de feu, même si elle sera pas fameuse, hein, cette fleur de feu. Non, c'est marrant, on a l'effet de Bowser sur le terrain. L'effet de lumière de Bowser. Je vais pas faire un excellent, j'ai pas le droit. Boui, 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 boui. Ça aurait été marrant que ça ait un effet sur le combat. Donc les poussins Piou détestent vraiment Luigi, hein, c'est officiel. Oh, fleur de feu encore, allez. On y va. Boui, 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 boui. Ah, j'ai pas été assez bon. Ok. Ah, voilà, il fallait bien que je me fasse avoir une fois. Et une deuxième fois, super. Bravo à moi. Bon, on va lui casser les couilles. Boui, 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 boui. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont là, eux. Tendance à l'oublier très vite, hein. Mario et Luigi. Boui, 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 boui. Oui, 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 oui. Putain, mais les petits traits là qui restent comme ça, j'ai l'impression d'être dans une scène épique dans un manga là. Il se passe quoi? Les traits manga là, c'est bon. Barry Cloner, ah, c'est tentant ça. Allez, allez, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. Vraiment, meilleur badge du monde, badge Aléa. Trop bien. On vous a vu les Mario Luigi, c'est bon. Ah mais c'est parce qu'on est en mode facile qu'ils apparaissent plus longtemps, c'est pour ça.
J'ai oublié que j'étais en mode facile. Hein. Mon gros bébé. Oh non, l'attaque qui dure 8 ans. Vert. Vert. Donc lui aussi il déteste Luigi, ça y est, c'est officiel. Tout le monde déteste Luigi. Remplacer Chris par Luigi. Jamais vu cette série de ma vie. C'est parti pour lui casser la gueule. Mais elle est résistante, sa saloperie. Mario. Ah non, Luigi. Bili 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 bili. Bili bili bili. J'aime trop cette musique, putain. Luigi. Oh, tu vas pas se faire, c'est nous. Allez, on lui casse la gueule au bout d'un moment, cette plante. Bah non, alors. C'est non. Oh non, il va encore... Oh là là, Mario. Ok. Ok, c'est bon, c'est bien joué. Petite fleur d'œuf. Petite fleur d'œuf pour en finir, là. Ah ah bim, bam, bim, bam, bim, bam, boum, bim. Voilà, c'est pas excellent, c'est ok. Ouais, je vais l'utiliser, hein. On va l'utiliser, c'est pas mal. Il y a moyen que les ennemis aient plus de probabilité de cibler le frère qui a le plus de vie. Ah ouais? Ah, ce serait un bon moyen de... Ce serait un bon moyen de... d'équilibrer les chances, ouais. À voir. Oui, 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 oui. Je fais une petite pizza maison demain au pire. Hein. Je commande une pizza pas maison. Objectif, manger pizza tous les jours. Mais quand est-ce qu'on apprend à creuser dans le sol, en fait? D'accord. Oh non, encore le mini-jeu de fou. Le mini-jeu de fou malade. J'ai raté l'épisode où on apprend à creuser dans le sol ou je vais l'avoir. On va me l'offrir. 4. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, un troisième ennemi, c'est du jamais vu. Un troisième ennemi. Impossible, jamais existant ça. OMG, et un ricolore en plus. Putain, un troisième ennemi et un ricolore. Vitessine et Attaquine. Putain, y'a pas Coquine? Allez. Polypon. Ok, ok, putain, mais on se régale dans cette zone en fait. On mange bien. C'est magnifique. What a surprise. Bon, j'imagine que Vitessine va vite. Franchement, si c'est ça, je suis très très fort quand même. Et que Attaquine a une bonne attaque. Je suis pas sûr, mais franchement, ce serait assez énorme. Polypon, il me fait un peu peur quand même. Comme il me fait peur aussi. Bon, ils me font tous peur en fait. Sauf Vitessine. On bat les couilles de Vitessine. Ok, il devient énorme. Putain, Vitessine attaqué en premier, c'est parce qu'il est rapide. Ah oui, il est vraiment très rapide. Oh ! Ok, ça va bien. D'accord. Bon bah, Attaquine n'est pas un adversaire coriace quoi, faut le dire. Qu'on leur met dans la gueule. Un petit casque Boeing. Ok, casque Boeing dans Polypon. Ok. Alors, on rate le premier. Bon, ça, ce sera pas excellent. Wahoo. Et voilà. Voilà, 40, c'est bien. Ok, j'ai peur. What the fuck? Oh bah ça, on te dérange pas. Ah, il met des petites phases, le mec. Oh, ok, j'ai peur. Quoi? Ah d'accord, il a des phases... Défensine? Attendez, qu'est-ce que ça peut être? J'ai dit défensine avant même de le voir. Je suis très très fort, je pense, en jeu de mots. Mario et Luigi. Ah, le petit PK YouTube, je suis sûr, il aime ce moment. En vrai, YouTube, il y a une fanbase d'Aikenzo qui se crée, hein. J'en ai aucune idée, je dis ça au hasard. Point. Vous pensez qu'il y a beaucoup de défense ou pas défensive? C'est pas sûr, ça. Moi, je sais que, par contre, Mario va mourir, donc au pire, voilà. Yummy. Qu'est-ce qu'on leur met dans la gueule? Petite fleur de feu, là. Petite fleur d'œuf.
On s'est parti, on s'est pas parti, on s'est reparti. Ah, ça leur fait pas très mal au in. Hop là! Ok, on va profiter du fait que Vitessine soit complètement défoncée à la brûlure. On va faire un petit saut. Attends, quoi que... Qu'est-ce qu'il a là? Fleur de feu? Allez. Ah, j'aurais pas dû, ça peut peut-être débrûler Vitessine. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Ah, ça fait un bruit de gueule, ça fait... Ok, il est resté brûlé, c'est beau. Par contre, tu meurs à un moment ou pas? C'est dans ton agenda? Il y a marqué mourir dedans ou pas? Faudrait, hein. Ok, la brûlure. J'avoue, Défensine, il attaque pas, en fait. Il défend. Plutôt logique, quand on y pense. Faut mourir, Polypon. Hein. Faut y penser, vraiment. Ah, oh merde. Là, je me demande si on peut lui sauter dessus, mais il faut pré-shot, en fait. Boui, 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 boui. Qu'est-ce qu'on leur met? Il a pas trop le choix de faire des attaques normales, là. Ah, ça nerf vraiment bien de devoir rater ses attaques, quand même, hein. Ça nerf vraiment, vraiment, hein. Ah oui, on peut, tout simplement, pré-shot. Putain, il est redevenu défensine, relou. Voilà, c'est bon, j'ai compris. I got the meta. I got the meta! Il y a beaucoup de défense. Peut-être que si je le réattaque, il devient attaquine. Il s'en bat les couilles. Pour ce moment. Non, trop vite! Oh là là, oh le connard! Quoi? Il a décidé de devenir défensine en plus. Bah dis-le si on te dérange, mec. Allez, casque wing dans ta gueule. Putain! Tête d'orange, quoi. Tu te l'appelles et tu te la manges. Allez. Dans sa gueule, va. Ah, ça, je prends, ouais. I'll take this. Boui, 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 boui. C'est quoi ce combat de boss? Non, mais c'est rien, c'est juste Mario Luigi qui sont nerf. Ils sont juste bien nerf, là. On a besoin d'un bon gros sirop. Oh. Et il attaque finalement. Merde, je me suis fait avoir. Oh le connard. Ah putain, c'est pour éviter qu'on pré-shot. C'est trop fort. Merci Youbs. On le 21 à moi, merci beaucoup. N'oubliez pas, c'est September là, profitez-en. Profitez-en, c'est September, les subs sont moins chers en ce moment. Et on essaie d'avoir les 100 subs achetés. Les primes ne comptent pas, mais les primes font plaisir quand même, hein. Attention. On essaie d'avoir les 100 subs 3 fois par mois. Les 100 points de sub 3 fois par mois. Pendant 3 mois, pardon. Histoire d'augmenter, histoire de se mettre bien, quoi, sur Twitch. N'hésitez pas à participer à ça, ça ferait plaisir. Si jamais vous êtes extrêmement riche et généreux et beau. Le troisième n'est pas obligatoire. Mais vous l'êtes forcément à l'intérieur. C'est tout ce qui compte. Vous pouvez faire sub T2 et T3. C'est plus cher, mais ça compte beaucoup plus qu'un sub T1. Et voilà. Merci énormément à ceux qui soutiennent, de manière générale. Que ce soit sub... Que ce soit sub 1, 2, 3 000. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Oh, j'ai la méta de l'endroit. On va faire 2 milliards d'aller-retour. Ok. Ça y est. I know what is going on. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, du coup, ça fait tomber le truc. Bravo. Bravo, Mario Luigi, vous avez fait tomber le... J'en veux pas, moi. Non, moi, je veux celui de droite, maintenant. Je suis de droite. Qui veut, lui? Les boussons les timides, à la lumière ils s'arrêtent. Les boussons les timides, à la lumière ils se solidifient. Les boussons les timides, écrit par Hemoglobin, composé par Hemoglobin. Bah, c'est pas le tube de l'été, gros. C'est pas le tube de... le tube of the year, quoi.
YouTube of the aujourd'hui. Allez. Donc là, il bouge. Là, il bouge pas du tout. Ah si, il bouge. C'est quoi l'intérêt? C'est pour plus tard. Oh, relou! Relou man. C'est des Kenzo. J'imagine que lui aussi va bouger. Bah, Mario et Luigi, vous tenez sur du vide, là. Allô? Mario et Luigi ne sont plus soumis à la gravité. Énorme. Très drôle. Oui, c'est bon, on a compris. Bim. Rien compris. Objet d'attaquine. J'ai peur. C'est ok. Mon d'expérience. Il faut les taper. Voilà. C'est mon expérience. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Oh, déjà en mode défense. Les combats sont si longs du coup avec cette carte des défis de merde. Oh, j'aurais peut-être dû être... Oh, je viens de penser à un truc, mais en fait, les Toads. J'ai dit non, les Toads, laissez-moi tranquille. Mais en fait, fallait pas. Il fallait vraiment que j'aille acheter les vêtements des Toads. Je suis trop con. Je viens de m'en rendre compte. Oui. Oui, fleur de feu, c'est bon ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et voilà. C'est pas un excellent, donc c'est ok. Oh putain, let's go, il est brûlé. Ah. Allez. Bon, tiens, on va en profiter. On va lui casser la gueule. Ah, il va vraiment vite. Ah, bah il va plus vite. Il fait même plus rien, là. Capace verte, bah... Les deux volent, en fait, donc non. C'est non. Ah. Je crois que j'y pense, mais l'attaque marteau fonctionne sur défensive, donc ça aurait pu marcher. Tant pis. Oui. Déjà t'es trop calme. Non, ouais, ça va. En vrai, c'est ok. Faut mourir les Francines, merci beaucoup. Allez. Yeet. Merci pour cette expérience durement accumulée. On va peut-être avoir besoin, ouais, de... J'ai chopé les équipements, mais c'était quoi? J'ai chopé un bleu? J'ai pas chopé un bleu. Non, j'ai pas chopé un meilleur bleu. Ça, c'est compliqué. Ça fait pas plaisir. D'ailleurs, petite cacahuète. Parce que ça me fait plaisir. Voilà. Je parle pas de Todd juste pour un mini-jeu chez eux, j'ai limite passé l'aspi, le lavage de sol de l'intérieur à l'extérieur de toutes les zones commerçantes. La musique des Todd est désormais associée à la même émotion que la musique des lapins de Mario Galaxy. Pourquoi tu fais ça aussi? T'aimes souffrir? Bah quoi? Il m'est apparu dedans. Il est apparu en moi. C'est bizarre. Mario qui tombe tout seul. Hein. Comme un gros bébé. Bah y'a pas de grand chose d'intéressant là. Ça va juste être long.
Non, là, là, connard. Ah, du coup, c'est chaud. Bah, ok, les gros bébés, hein. Allez, baril dans la gueule. Ça mérite, là. Le son de don... Ah, existe-t-il encore? Ouais. Il existe toujours. Ouais, pour le défi. Hein. Pas du tout parce que j'ai pas fait attention au baril. Pas du tout. Mais du coup, là, ils vont jamais attaquer, les gars. Il faut attaquer, hein. Ouais, petite carapace verte pour voir si ça marche. Et là, ça marche pas. C'est bon, ça marche. Et bim! Y'a pas le droit. Ah, il attaque. Il ferait pas avoir, pas deux fois. Quoi? Quoi, il peut faire ça? Bâtard! Il peut faire ça, les salauds. Bah c'est bien, maintenant il a 2 milliards de défense. Oh, merci au coup de chance. Bon bah non, ça sert à rien, ça. Oh, on fait plus rien. Machine est vide. Ah, il attaque. Allez. Oh, faut Crovs, hein. Merde. Il m'a eu. Le petit trou de ball. Combien de PV a-t-il? T'en as un moins, t'en as un de moins à tuer. Alors oui, mais par contre l'autre est plus lent à tuer vu qu'il a plus de vie. Ah. Putain, il est chiant lui. Ah bah, c'est à mes yeux. Super sirop. Oh, quand j'ai super soif. Putain, mais du coup, ça m'a donné aucune expérience. C'est moi ou quand il fusionne, ça donne zéro expérience? C'est top. Ok, donc là, le bout. Allez, reviens, bouge. C'est si long. Ah! Ok. Pas super clair, je trouve, mais ok. Oh, c'est lent pour pas grand chose cette phase, hein. Vite! Bouzon, attache-toi! Et tout le monde, je passe vite fait pour pas me spoiler la suite. Encore merci Luna pour ce marathon qui régale. Let's go, merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui le suivent aussi. Ça, c'est un régal aussi. Hein. Les deux régalent. Oh, il y a un truc là. Mais come on fire. Oh là là, Bowser, pitié, va plus vite. Ah, ça m'intéresse. Tout le monde est en haut. Attends. Oh, c'est pas le moment de tomber. Oh non, pas toi. Eh bah si, toi. Il est tout seul? Mais non, arrête. Ça, c'est bien, ça. Ça m'intéresse. Ça, c'est mon type de combat, là. D'habitude, c'est pas ma cam, mais là... Ok. Et merde. Il faut que je me fasse avoir aussi facilement par ce genre d'attaque. J'ai failli faire un excellent, du coup j'ai paniqué. Mais Mario va-t-il mourir? Attention, oula, en plus il attaque plein. J'anticipe trop. Ok, Mario n'est pas dead. Bon, faut l'achever là. Faut faire un truc.
Non, une carapace verte. Oui, 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 oui. Ça se trouve, il y avait deux PV là. Et non! Pas le droit! Ça se trouve, il y a des gens, ils regardent le... Ils sont passés sur le stream, ils m'ont vu rater toutes mes attaques, ils font t'es trop nul ce mec! Ils savent pas que... Ils savent pas qui je suis vraiment, je suis triple champion du monde de Mario Luigi. Mais malheureusement, je me suis imposé un dur défi. Je suis pas vraiment triple champion du monde, si jamais. Ça n'existe pas. Cette catégorie n'existe malheureusement pas. À mon grand dame. Putain, mais toujours pas mort, mais il y a 175 000 PV. Oh non. Ils sont juste trop cons pour lire la carte en bas à droite. Bon, il y en a beaucoup de ça. Ok, c'est vert, c'est pour Luigi, je pense. Ok, bravo à Luigi qui n'a pas... Ok. Je crois que le problème ne vient pas de Luigi mais de moi, mais à voir. Putain, Mario va pas mourir. En vrai, Mario, il est large en termes de PV, je pense. Encore subir au moins 0 attaque. Bravo! C'est dommage que dans Mario Luigi, le poison ne fasse pas comme dans Pokémon, genre... Le frère, il est encore empoisonné, du coup, il prend des dégâts pendant toute la... pendant qu'il marche. Alors, quand je dis que c'est dommage, en réalité, je trouve pas vraiment ça dommage. Mais ça aurait été rigolo. Ça aurait été sadique aussi, mais rigolo. Le plan que j'y suis, hein. C'est si haut, voilà. Voilà. Oui, oui. Mondialement reconnu, bien sûr. Reconnu par tous mes pères. On est où, là? On va où? Ok, on est là. OMG, oh non. Oh bah j'ai bien fait tout à l'heure. En fait, il fallait que Mario soit un Koopa. J'ai bien fait de pas faire la toupie. Bon, il y a forcément... Non, non, Bowser, non! Je veux pas qu'il fasse ça, non, rien! Non, putain... Je voulais en haut, il y a forcément une putain de... Je déteste ma vie, putain! Je voulais faire sauter les deux frères, sauf que le bouton marche pas quand Mario est en carapace de con, là. Oh, j'ai la haine. Là, c'est trop chiant de voir se taper la cinématique à chaque fois. Attendez, j'ai fait un truc, c'est que je vais enlever ça parce que c'est à cause de ça que c'est aussi long. Oh mon dieu. Je t'en supplie, Bowser. Ouais, c'est déjà un peu moins long comme ça. Il y a forcément un truc en haut. Il y a forcément un truc en haut et j'aurais dû le prendre avant. Quand tu veux, hein, quand tu veux. Merci, c'est. Je me trompe là. Attendez, peut-être que je peux quand même le faire. Putain de merde. Luigi va bien te faire enculer quand même, sache-le, hein. Vraiment c'est d'utilité publique que tu le fasses. J'ai la haine. Allez, c'est bien, c'est top, on s'amuse bien, allez. pas du tout long, c'est une très bonne idée de game design. En vrai l'idée est bien, hein. Allez, et cette fois, Luigi, la vie de ma mère. Merci. Si j'ai fait ça pour un champignon, vraiment, je tue un gars. Je vais dehors. Je fais un truc. Attends, c'est pour un ennemi, là, que j'ai fait ça? Je viens de sauver Mario Luigi, là. Ok, non, ça va y avoir une pièce d'attaque. Trop relou. J'en ai à la foutre.
Wahoo! Pas le droit à l'excellence, malheureusement. Oh, ça régale quand même. Allez, dégage. On le bannait, lui. Oh non! Oh non, il a augmenté l'attaque d'un mec qui n'attaque pas, fait chier. Alors là, comment refuser? Comment refuser l'invitation au plaisir? Impossible. Pas loin, pas loin, pas loin. Comment refuser cette invitation? Pourquoi il donne si peu d'XP par rapport à la plante piranha? La plante piranha a 2000 fois plus de PV peut-être. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Ouais. Pas top. Je sais pas quoi ça me sert d'être là, mais ça me fait plaisir. Allez. Et on y va! Merci. Ripper le gars dans la rue. Ah bah il va en prendre pour son grade, hein, je vous le dis. Allez, voilà. C'est lui apprendra, tiens. À tous les gars dans la rue, si vous voyez un homme de 2m4 avec un couteau de cuisine dans la main, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Méfiez-vous. Ok, alors attention, si je suis pas trop con normalement... Et alors ça c'est une condition sine qua non, hein. Condition importante. Si j'ai bien révisé, normalement ici là... Non, je vais pas refaire la zone. Ah non, c'est bon. Normalement, là, c'est la bonne. Voilà. Bravo Mario et Luigi, notamment. Ok, on est où, là? Est-ce que c'est le moment où je vais apprendre à creuser le sol, par pitié? Ok, on vient de débloquer un truc, là. Qu'est-ce qui se passe? Je vois un tournoyant, vous avez enfoncé cette vrille dans le sol. C'est le même principe que la perceuse. Bah oui, on va apprendre le pouvoir grâce à ça. Vous n'allez pas pouvoir passer, c'est trop étroit. Elle vous dit, tu te souviens? Quand on avait fait ça une fois. Encore Mario qui parle avec la voix de Luigi. Comment? Vous pouvez faire ça? Montrez-moi. Oui, on peut faire ça, regarde. Voilà. Bien joué les frangins. Avec cette action, vous pourrez même passer sous les barrières. En plus, votre forage du haut peut vous servir à autre chose que vous les placez. Vous devriez essayer de l'utiliser sur les points louches au sol. Oui, oui. Les fameux points louches au sol. Oui. Allô? D'accord. Ah. Toujours pas. Toujours pas de plaisir. Bâtard. Il m'a eu. Ils ont canoniquement jamais vu les bébés faire ça. Ouais, mais eux, ils en ont déduit, en fait. Ils sont assez intelligents pour ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? Putain, il y a encore l'autre nulos, là. Polypon. Allez. J'ai failli faire un excellent. Pff. Heureusement, je me suis rappelé qu'il fallait que je sois mauvais. Non. Ah, je pensais que ça allait être plus lent du coup, vu qu'il était plus petit. Hop là! Ok Luigi, moi que t'as une dinguerie. Ok, passe pas la définition d'une dinguerie, ok. Non, on met tout. Ce sont eux les bébés. C'est des gros bébés en fait. Juste des gros bébés. Bim bam bim bam boum bim. Pas besoin, pas droit à plus. Oh yeah! Oh yeah! Oula, il est énorme!
Lui casser les couilles, tu connais. J'ai encore failli faire un excellent. J'en ai marre, je suis naturellement excellent en fait, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. J'ai oublié qu'il avait cette attaque là. Hop. On va reculer lui. Ah, fleur de feu encore, on s'emmerde, mais ok. Bim bam bim bam bim bam. Ça fait mal à personne. Ce serait pas le bon moment pour passer une carte en X, comment ça? Bah j'ai fait aucun excellent encore. J'en ai fait un tout à l'heure sans faire exprès, ça va. Autant dire que faire cette carte et faire en sorte qu'on ait même pas le droit au super, là c'est juste se dire hey, « Eh les gars, et si on passait juste 5 fois plus de temps sur le jeu pour aucune raison ?» Bah c'est bon. Là j'ai réussi à faire le mauvais excellent. Du harcèlement. Mais il est raciste lui, il attaque Mario. Raciste envers Mario. Carapace verte, c'est pas dingue, mais c'est pas horrible. Pour 3 points, frère, c'est gratos. En plein dans ses couilles. Bye bye. Ça va être pas mal, hein, en vrai. Non mais voilà, faut le dire, hein. C'est de la merde. Globalement, chier. Putain, mais il a combien de points de vie, lui? Merde, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Ok. Et bien sûr, ça donne de la force. N'hésitez pas à donner de la force vous aussi de votre côté en vous abonnant, c'est moins cher en ce moment avec September. C'est important, faut le dire. Faut mourir, hein, monsieur? Faut y penser, vraiment. Cette fois-ci, j'essaye pas de le pré-shot parce que sinon ça va encore mal payer cette histoire. Ouais, il est chiant à faire ça. Ah bon, faut Croves, hein. Ouais, allez. Faut penser à Croves au bout d'un moment, monsieur. Merci. Bien. Bravo! Ok. C'est long, mais on va y arriver. Chaque combat est un boss. Actuellement, mood. Chaque combat est un boss. Barry Cloner, ah ouais, franchement. Il est encore toute sa life, lui, quasiment, c'est bon. Yeah! Mario, Luigi, Mario, Luigi, Luigi. Jean-Claude. Idée de carte des défis, inverser les boutons A et B. Ah, c'est déjà un défi que j'ai tout le temps, là, actuellement. C'est déjà un défi que j'ai actuellement. Je m'y suis beaucoup plus accommodé cette fois. À force, au bout d'un moment, j'ai l'habitude. Pourquoi il y a 2000 combats ici? Non pas que je n'aime pas les combats dans le jeu, hein. Mais avec ce défi, un peu moins. C'est-à-dire que j'ai une carte Joker et que je pourrais l'utiliser. Combien de temps qu'on joue, là? Non, mais c'est pas que je suis pressé de sauvegarder et de passer à un autre, hein, mais... Oh, ça a marché. Pour aucune raison, là pour le coup c'est pas logique, mais ok. Ok, bon j'y vais. Hein. Me excuserai, voilà, merde. Peut-être pas le droit à l'excellence, mais j'ai le droit au baril de l'honneur, et ça c'est bien. Peut-être pas le droit au bonheur, mais j'ai le droit au baril. Hein. Devient immense. Allez. Ok, Mario, bam. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh non, les barils clones en promo, pas de chance, les gars. Ça fait combien de temps que t'as pas eu de pièce attaque? Beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop, j'attends désespérément la prochaine pièce attaque. D'accord, l'attaquine n'a pas le droit de se faire attaquer.
L'attaque in est anti-attaque. On en est où, là, niveau vie? Je crois que ça va. Je crois que c'est ok, je pense que je peux encore survivre. Oh, merci pour la chance. OMG, il attaque Luigi pour la première fois de sa vie. C'est pas vrai, c'est la deuxième. Barry Cloner, oh non, dommage. Allez, faut en finir avec lui. Hein. Non pas qu'il soit dangereux, cela dit, mais... Bye bye. Oh, OMG, il attaque. Et hop là. Bon, poui, 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 poui. Hop! De quoi parler sur le chat? Même après Superstar Saga, t'es encore avec Mario sur A et Luigi sur B de ta manette Xbox? Exactement. Oui, oui, j'ai continué. Ça changera peut-être pour Mario Luigi 4. Je dis ça à chaque Mario Luigi, mais... Celui-là, j'y crois fort. En fait, Mario Luigi 4, j'aurais pas le choix. Barry Cloner, non, pas de chance, putain. Obligé de faire Barry Cloner, quoi. Ma maman. Ah. Chiant. Je suis en 2000. Je suis en 2004. Tu vas garder cette manette demain jusqu'à la fin du 6. Non. Le 6, je serai obligé d'avoir une vraie manette vu que je serai sur Switch. Et ça, putain, quel plaisir. Quel plaisir en star. Qu'est-ce que... Un petit peu d'attaque, Mario? Ok, non, alors. 2, ça me fait chier. Wow, what the fuck, 5 de défense. Bon, 4, c'est bien aussi. Oh! Yahoo! Allez, putain, Luigi, 100 milliards de défense. Peut-être de l'attaque pour Luigi. Ok, pas de gros bonheur pour Luigi. Bon, j'en ai rien à foutre, c'est quoi? Même si le jeu veut pas que je donne de l'attaque à Luigi, j'en donne à Luigi. Il le mérite. Il mérite pas d'être aussi faible par rapport à son frère, c'est pas normal. On sait tous que Luigi est plus fort que Mario. Toujours pas de pièces d'attaque. Bah, Luigi, fais pas chier. Je crois que je fatigue, je savais plus ce que je voulais écrire et d'un coup j'ai juste écrit pizza. Ah, c'est quand même un bon niveau de fatigue, je trouve. C'est pas mal ce que je nous brose. C'était où qu'il y avait des petits points à creuser? C'était pas ici? Visiblement non, c'était pas là. Mais j'ai jamais vu un endroit avec autant d'ennemis. Ah! C'est pas ce que je voulais faire. Fève cœur. J'ai les fèves. Les fèves existent encore? Ça se trouve, j'ai 2000 fèves et je suis pas au courant. Merci pour tout. Attendez, je vais regarder si ça se trouve, j'ai 2 milliards de fèves et je suis pas au courant. Bon, j'en ai quoi. La vitesse pour Luigi. Fève attaque pour Luigi. Fève défense pour Mario. Tiens, ça lui fera du bien. Putain, j'avais pas vu. OPF maximum d'un point, c'est énorme. Y'a pas à être aussi généreux en fait. Je sais pas comment Mario et Luigi font pour bouffer des fèves qui ont poussé dans le corps de Bowser. Ils ont la dalle. Hein. Ah, par contre, Bowser a peut-être besoin de PV en vrai. En vrai, ouais. Voilà, je le donne à Bowser. Il en a besoin. J'ai une logique derrière tout ça, mais je vous l'explique pas. J'ai jamais demandé ça à Bowser, mais t'inquiète. Quoi? Pardon? Bah ok, hein. Merci. Tu joues avec une carte des défis passives en version des boutons. Ouais, c'est ça. Grosso modo.
Grosso modo, j'ai essayé de souffrir depuis le début. Mais ça devient plus, ça devient... En fait, ça va être un défi lorsque je repasserai avec une bonne manette. Parce que là, maintenant, c'est devenu presque naturel, mais... Bah, je sais pas, moi... Oh, la plante Venena, hein. 2 milliards. Faut la tuer vite, hein, la plante Venena. On envoie le conneur ! Non ! Oh, pas de chance, encore une fois, obligé de faire barrer le conneur, quoi. J'ai tellement envie de faire un excellent. Ça me manque d'être excellent, en fait. L'excellence me manque. Oui. On va la voir. Oh non, l'attaque qui prend 2 milliards d'années. Et qui fait très mal, en plus. Vert. Rouge. Vert. Bien joué. Et c'est parti! Faire le feu, allez. On y va. Pourquoi avoir repris la manette cochon? Parce que c'était plus pratique pour moi. J'avais pas besoin de faire un changement de manette. Pourquoi il tire au gun sur les ennemis là? Ça va, Mario Luigi, vous êtes pas en mode calache là? Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Oh bah l'honneur, non, là c'est bon. On arrête. Il est tout seul, il a déjà pris plein de dégâts, ça le fait là. Voilà. Un super sirop. Quand j'ai une super... Ça fait tellement bizarre de mater ce jeu en fou en vitesse, les ennemis me semblent si lents. Comment ça? Vous regardez mes vidéos en... Ah, je savais pas qu'ils faisaient ça. Vous regardez mes vidéos en fou 1,5? Attention YouTube, hein. Je déteste ça. Ah ouais, je le fais souvent. Ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que je peux regarder les vidéos en américain en fou 1,5 et tout comprendre. Je me dis, ça y est, je suis quand même fluent en anglais. Mais seulement pour comprendre, pour parler, c'est autre chose. On va carrément lui mettre un casque Boeing dans la gueule à celle-là. Ça c'est la génération Z ça, vous pouvez plus regarder des trucs en vitesse normale là, c'est pas normal. Vous rendez pas compte, c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça. Génération Z là, comme Zemmour. C'est un peu loin dans mes blagues des fois. Je me dis rien. Comme les blagues du début de stream. Avec Bowser. Super! Je l'ai accueilli comme une seule oie, cette plante, hein, on peut le dire. Impressionnant. Impressionnant ton attaque, mec. Impressionnant. Continue encore, ouais, encore une fois. Ok, voilà, il fallait bien que ça me touche. Si t'insultes ma génération, t'insultes la tienne aussi. Moi j'insulte toutes les générations, j'en ai rien à foutre. Et tous les mecs qui ont fait la première guerre mondiale là, allez bien ni. Voilà. Le truc où tu maintiens l'écran et ça met en x2 temporairement, je sais plus parler, ça m'énerve. Oui c'est vrai, j'ai découvert ça tellement tardivement, je savais pas. Je l'ai découvert par accident ça. Fève défense. Ah mais c'est bien là, les fèves là, on va pouvoir se booster là. Se mettre à l'aise. Oui, oui. Les petits champis là. Champote à la compote. Ça va Bowser, tu t'emmerdes pas trop? Ce jeu c'est tout ou rien, hein. Soit tu fais que Bowser, soit que Mario Luigi. Y'a pas d'alternance. Entre Sephiroth de Final Fantasy et les frères Mario de Mario Luigi qui gagnent. Mario Luigi, bien évidemment. Y'a pas de débat en fait. Une vidéo peut le prouver.
Plusieurs vidéos sur internet peuvent le prouver. On a quasiment fini cette zone de l'enfer. Quasiment. On y est pas encore. Va falloir qu'on fasse une petite... Va falloir qu'on fasse un petit crochet. Va falloir qu'on fasse un petit crochet vers la sortie. Comment je sors de là, moi? Est-ce que je peux sortir de là sans... sans souffrir? J'ai besoin de sortir d'ici. Oh ta gueule! Pardon. Non, c'est pas pour être méchant avec lui, mais... c'est... mais quand même, un petit peu. Ah, y'a pas de tort, y'a pas de tort! Attends, on peut aller de l'autre côté, y'a quoi de l'autre côté? Peut-être une... J'allais dire, y'a peut-être une pièce d'attaque, mais pas du tout. Putain, faut que tu me casses les couilles. Prends l'étoile pas finie, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je vais juste me barrer d'ici. Comment ça ils sont revenus? Comment ça ils sont de retour sur le plateau? Ah non. Bon, c'est bon. C'est bon. Ouais, ouais, on a oublié, mais ce bouton existe. Hein. Ah non, 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 eh oh, c'est bon, pas mille fois. Tout va bien. Everything is going daijobu. Ok. Ah, le bouton fuite est gratos. Même pas on perd des pièces. Hein? Pardon? Moi je veux juste rentrer chez moi. Juste rentrer chez moi, aller voir les Todd, leur dire à quel point je les aime. C'est-à-dire ne rien leur dire. Oh chiant. Chiantos. Mario qui a sauté avec son frère en mode « Allez ! Si tu tombes, je tombe aussi !» Il a bien raison, cela dit. OMG, je viens de penser à un truc de fou. Oui, le hall des défis, je viens d'y penser. Oh, comment on se fait le hall des défis dans la prochaine VOD? Ah, YouTube reste, hein. YouTube, bah non, t'es pas obligé de rester parce que ça va s'arrêter. OMG, niveau 2, la moustache, c'est pas vrai, j'étais pas au courant. Arrête. Oh, comment on va commencer la prochaine VOD sur... sur un boss alternatif. Mais avant, on va peut-être se mettre... voilà. Je me suis rendu compte que j'ai... Au bout d'un moment, voilà, j'en ai marre. Et là, tu me dis qu'il n'y a rien de bien. Bleu médical, un bleu qui soigne toutes les affections, il permet de guérir de n'importe quelle altération d'état après un tour. C'est tout? À 35 de défense en plus, c'est quand même pas déconnant, ouais. Allez, j'achète. Ah mais j'en ai acheté deux d'un coup. J'allais donner les deux à Mario, Luigi n'a pas le droit. Bon non, j'aime bien payer plein pot, moi. Let's go! Quelque d'excellente. Régénère les PF quand leur porteur obtient une mention excellente. Oh, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien, ça contre le boss, ce sera bien, ça. Réduit largement les PF utilisés pour les attaques frères. Oh, ça c'est... les choses qu'on aime bien. Plus tard, plus tard. Putain, putain. Ok, j'utilise ma carte et cette fois-ci, la réduction est là. Bah, ça, c'est au moins 100% de réduction, non? Ok. Pas le droit. Luigi n'a pas le droit d'être en tenue médicale. Bah, Dr. Luigi, non. Alors que Dr. Luigi existe techniquement, mais vous savez pas. Ouais. Bon, YouTube, on se retrouve la prochaine fois pour deux choses. La suite du ventre de Bowser et surtout, un boss. Un boss X. J'espère que ça se passera bien. Spoiler alert, il n'y aura pas de carte de défi, comme je l'ai dit. Les boss X sont déjà un gros défi en soi. Surtout si on les fait pile au niveau recommandé. Et je crois que je suis pile au niveau recommandé, là. Voilà, donc pas besoin de se rajouter des défis en plus. Et on se mettra une nouvelle carte de défi pour la suite de l'épisode. C'est la suite du deuxième album. Bref, des gros bisous YouTube, à bientôt. Et pour ce qui est de nous, Twitch, on continue. Alors dis bisous à YouTube, rapidement. Dis-leur au revoir, parce que tu les retrouves à la prochaine VOD, voilà. Au revoir. À bientôt. Je laisse le temps à Twitch de dire bisous un petit peu. Parce qu'en général, ils sont un petit peu lents du ciboulot.
ils se rendent pas compte que je vais dire au revoir à YouTube et ils disent au revoir à YouTube alors que la VOD s'est coupée. Faut le dire un petit peu avant, les gars. Faut capter le moment où je commence à dire au revoir à YouTube. Et ouais, petite méta. Allez, bisous. Salut mon pote.